international de chant scout, retrouvé par ce qu'il y a déjà 4 ans qui était avec vous ici, à Château-Landon, dans ce forum qui aujourd'hui est bien vide. Malheureusement, on aurait aimé être ici tous ensemble, mais ce n'est pas possible. Donc vous êtes là, derrière vos écrans, derrière vos téléviseurs, vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, que sais-je. La période que nous traversons empêche que nous soyons ici physiquement présents, mais vous avez été agiles, nous avons été agiles, et tous ensemble, nous avons réussi à monter cette soirée de concours national de chant scout. Merci à tous d'avoir répondu présent. Vous êtes des quatre coins de la France, vous avez répondu de partout en France, vous avez été plus de 75 à nous envoyer des vidéos. Et en regardant, en votant, en chantant, peut-être de chez vous, en famille, vous allez participer à ce troisième concours national de chant scout. Vous êtes aux alentours de 250 familles à nous regarder. Si on multiplie par le coefficient des multiplicateurs, on va dire qu'on est à peu près 700 aujourd'hui devant les écrans pour assister à ce troisième concours national de chant scout. Durant la veillée, vous aurez des petits défis à réaliser. Vous avez donc besoin d'un bloc de papier, d'un crayon, éventuellement d'une calculatrice, d'un ticket de course, d'un billet. On verra ce qu'on en fera, mais si vous pouvez aller les chercher très rapidement et mettez-les à côté de vous. Et puis, n'hésitez pas à partager vos meilleurs moments sur les réseaux sociaux avec ce hashtag 3CNCS. Cela s'inscrit ici en bas. Et puis, bien évidemment, on est ici réunis aussi en ce jour important qui est la date du 8 mai. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi depuis quelques années la fête de l'Europe. Et je suis très heureux de pouvoir animer ce concours en ce jour de la fête de l'Europe, tout simplement. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et nos commissaires généraux ont tenu, bien qu'ils ne soient pas présents, à vous adresser un petit mot. On commence par Myriam Coquet, notre commissaire national général guide, et Luc de Coligny, tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième édition du concours chant. Hélas, nous n'avons pas pu nous réunir comme prévu au mois de mars à Château-Landon. Mais je tiens à féliciter les 75 participants qui sont restés mobilisés avec enthousiasme pour pouvoir concourir à ce beau concours. Bravo en particulier aux CP, aux chefs d'unité, aux chefs de cœur qui, malgré les contraintes sanitaires, le confinement, les aléas, ont su rester mobilisés et s'adapter pour pouvoir envoyer leur contribution à travers une vidéo et concourir ce soir à travers cette veillée concert. Aussi, je remercie d'abord toute l'équipe qui est à Château-Landon et qui va nous permettre ce soir de vivre une belle soirée scout ensemble. Ensuite, c'est vers vous que vont mes remerciements. Vous, dont l'enthousiasme et les voix nous rejoindront ce soir. Vos chants résonneront dans la nuit comme cet appel lourd et puissant de la jeunesse de France, comme l'écrivait si bien le Percevin. Cet appel à vivre en scout malgré les vicissitudes de l'époque que nous traversons. Vous avez su faire vôtre ces magnifiques paroles de la joie scout. Nous chantons, ma foi Dieu, pour être apôtre. Être scout, c'est penser d'abord aux autres. À tous ceux dont le corps ploie, nous voulons porter la joie. Alors oui, merci des chants et des sourires que vous nous apporterez tous et chacun ce soir. Merci d'être ces passeurs chantants de la joie et de l'espérance. Et il me reste donc à vous céder la place en déclarant ouvert le troisième concours de chant. Voilà, on est de retour ici à Château-Landon. Vous êtes plus de 250 familles à nous regarder, 750 peut-être. Peut-être que vous allez être encore plus nombreux. Et on va donc ouvrir ce troisième concours national de chant scout. Luc vient de l'ouvrir. Vous avez donc été plus de 75 à envoyer des vidéos. Malheureusement, il a fallu faire un premier choix. Un premier choix, mais je vous rassure, personne n'est perdant puisque chaque concurrent va recevoir pour son staff un flot de patrouille que vous allez pouvoir arborer sur vos staffs de patrouille. Le voici. On vous le représentera tout à l'heure. Et ceux qui ne sont pas nominés parmi les concurrents de ce soir, vous le recevrez très prochainement par courrier. Je voudrais aussi féliciter les patrouilles, les unités, les clans, les feux, les chorales qui ont su avec agilité envoyer leurs vidéos. Ça n'a pas toujours été facile, on aurait aimé être là, on aurait aimé avoir l'ambiance, mais nous allons ensemble découvrir maintenant la liste des patrouilles, des troupes, des unités qui ont été sélectionnées. Alors,
Première catégorie, la catégorie des patrouilles scouts. Dans la catégorie des patrouilles scouts, les nominés sont le lagard de la troisième manière, le renard de la première lille, la loutre de la première sens, le loup de la première oreille et la salamandre de la première Val-de-Seine. Ce sont les cinq patrouilles scouts qui, ensemble, concourront pour le prix du champ de patrouille. Les patrouilles guident désormais la gazelle de la deuxième Dijon, le chamois de la dixième Nantes, le harfang de la PL de Bourges, l'hermine de la PL de Bourges, le castor de la deuxième Saint-Maurice. Maintenant, nous allons nous consacrer à la branche verte. La branche verte, composée de troupes et de compagnies. La première, c'est la troupe première Lille qui a été sélectionnée. La deuxième, c'est la compagnie deuxième Angers, la compagnie sixième Rancancourt, la compagnie deuxième Is-sur-Til, et enfin la compagnie huitième Marseille. Et puis, on rentre dans la catégorie des unités de branche rouge, les clans et les feux. Tout d'abord, le clan bienheureux Marcel Callot de la Brie, le feu Saint-Jean Beretta Mola de la Manche et du Calvados, le feu Cœur Immaculé de Marie de Maine-et-Loire, le feu Notre-Dame-des-Bois de Côte d'Or et le feu Notre-Dame de la Dorade de Toulouse. Et puis, nous aurons aussi six chorales qui interviendront à la fin de cette séquence. Voilà, les patrouilles donc, qui n'ont pas été reconnues, vous allez recevoir ce flot de participation. C'est donc super. N'hésitez pas à communiquer avec nous via les réseaux sociaux, via la page Facebook, qui vous sera très utile pour le prix du public, puisque vous aussi, vous allez pouvoir participer à ce concours grâce au prix du public, et ce sera sur la page Facebook de l'événement. Alors, je ne vais malheureusement pas avoir la possibilité de vous présenter l'ensemble du jury en live. Ils sont eux aussi derrière leur ordinateur, ils vont tout regarder. Ils vont se réunir grâce aux moyens numériques pour ensuite décerner les prix. Mais au nom de Marie de Bonaventure, qui est la chef de l'ETN Animation de Champs, je tiens à remercier, dans le désordre d'apparition, Goulvenero d'abord, notre président bien évidemment, qu'on retrouvera d'ici quelques instants, Pierre-Jean Haas, Jean-Luc Dassas, Marie de Bonaventure, et puis bien évidemment aussi Agnès, Amandine, Louise, Agathe, Alexandra, Vivien, Gabriel, Blanche, et bien évidemment, tous ceux qui ont participé à ce jury. Alors, on va donc rentrer directement dans le vif du sujet en recevant notre président du jury, Goulvenero, que je suis allé interviewer grâce à des moyens numériques. Vous allez voir ça, c'est formidable. Vive l'informatique. On retrouve tout de suite le président du jury, Goulvenero, qui nous raconte un peu son parcours et son goût de la musique. Voilà, on est avec Goulvenero. Par la magie des ondes, nous avons préenregistré cette petit entretien avec Goulven, qui est notre président du jury pour ce troisième concours de chant national des guides et scouts d'Europe. Bonjour Goulven. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tu as vu beaucoup de chorales depuis quelques temps, hein, tu les as vues passer, tu as vu les vidéos. La première question qu'on a envie de poser à un président de jury, et surtout quand il est directeur d'une maîtrise, comment le chant est venu jusqu'à toi ? C'est quoi le déclic qui fait que déjà tu as eu envie de chanter et qui après t'en a fait faire ton métier ? Alors moi au départ je suis violoniste, donc le violon c'est un instrument très très mélodique, très chantant. Et donc du violon au chant, il n'y a vraiment qu'un tout petit pas. Je dois avouer que je ne suis pas un très très bon chanteur. Alors souvent j'aime bien dire en plaisantant que c'est pour ça que je suis chef de chœur, c'est que dans la chorale ils n'ont pas voulu de moi. Puisqu'aujourd'hui on est en plein cœur de ce concours de chant scout, il y a un souvenir dans l'éveillé, dans le chant scout qui t'a plus marqué qu'un autre. Ah ouais, mais alors moi j'ai un chant scout que je chante régulièrement. C'est un chant parce que ça correspond à des moments précis dans la veillée, le moment où on chante le soir étant sur la plaine son grand manteau de velours, Notre-Dame des Éclaireurs. Moment où là, on sent que la veillée va nous accompagner dans la nuit, il y a les flammes encore qui sont là, c'est vraiment des choses. Le chant qui enrobe. Ouais, c'est ça, il y a une ambiance qui se crée, puis ça marque dans le cœur, je pense que ça va marquer profondément les enfants, les jeunes, et puis les adultes que nous sommes aujourd'hui aussi. Enfin, moi aujourd'hui, je sais que ça, dès que j'entends ce chant ou que je commence à chansonner, ça réveille en moi des souvenirs et des souvenirs. C'est ta Madeleine de Proust. C'est ça. quand tu travailles avec des enfants, qu'est-ce qui t'émerveille le plus chez eux ? Alors d'abord c'est leur capacité à s'approprier une mélodie, à s'approprier un texte, à s'enthousiasmer pour ce texte,
leur capacité, la capacité des jeunes et des enfants à aussi transmettre des émotions quand ils chantent. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que quand un ado adhère, il adhère à fond les ballons. Et dans le chant, ça s'entend, ça se voit et ça se ressent. Alors dans la musique qui va être transmise, dans ce qu'on entend, mais aussi dans la posture qui va être donnée. Alors j'ai vu ça aussi dans les vidéos, j'ai trouvé ça très chouette de voir les différences des postures. Mais il y a quelque chose qui se transmet aussi dans la posture du chanteur, dans sa manière de se tenir, dans sa manière de donner et d'offrir quelque chose. J'ai vu que vous aviez réalisé aussi des choses à distance. Alors d'abord, l'animation de cette maîtrise en situation de Covid, garder le lien, garder l'envie. Comment tu as fait, Goulven? Alors moi, j'ai pas fait grand chose, c'est les jeunes qui font. Là, clairement, c'est eux qui t'ont boosté. Ils sont tellement. Il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu avec les scouts, c'est que. Avec les scouts et guides, c'est qu'en fait, il y a une capacité d'adaptation des jeunes qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Quelques conseils à donner à des CP, à des chefs de troupe, à des chefs de groupe autour du chant. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message qui puisse être utile et à mettre en œuvre dans les unités? Il y a déjà plein de choses que vous connaissez et que vous savez faire. Hein, vraiment, c'est vraiment extra. Alors, j'aurais une petite attention pour les garçons. Notamment, moi je me souviens quand j'étais jeune, par rapport à la question de la mue. Parce que la voix est un instrument précieux, c'est un instrument fragile, et que quand on pousse trop fort dans le grave pour les voix des garçons qui n'ont pas mué, pour se mettre à la hauteur, parce que forcément quand on a un jeune gars, on a envie d'avoir la puissance, l'énergie de nos frères aînés, et donc du coup on y va. Et donc je dirais aux frères aînés, attention à ça. Attention à ne pas marginaliser ceux qui n'ont pas mué et qui ont des voix aiguës, et au contraire à en profiter pour faire quelque chose de beau, un petit contre-chant, une petite voix aiguë, qui au lieu d'être jouée à la flûte, va être chantée par les voix plus aiguës. Ça peut être un outil. Et ce que j'ai vu aussi est super, c'est des choses toutes faciles qui peuvent être utiles, c'est d'utiliser le corps, les percussions du corps, la rythmique, tout ce que vous savez faire, quoi. C'est-à-dire qu'on a plein de choses qu'on sait faire et qu'on n'ose pas utiliser. On a tendance à chanter droit. Alors je sais que, par exemple, moi je dirige une maîtrise, alors forcément les enfants ils bougent pas beaucoup, mais voilà, de jouer avec le rythme, d'essayer un peu d'utiliser ce qui se fait dans les danses et compagnie pour enrichir la manière de travailler. Voilà un petit peu mes petites idées modestes. Et puis, les encourager peut-être aussi à rejoindre des chorales, peut-être des maîtrises, des chœurs, s'ils en ont envie, s'ils en ont le désir. Oui, complètement. Alors, c'est sûr que c'est ce que j'avais envie de dire, c'est-à-dire que voilà, faut pas rester entre nous, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe dans vos patrouilles, dans les troupes, dans les compagnies, ce qui se passe entre vous est formidable. Tu parles des maîtrises, tu parles des chorales, mais j'ai envie de dire des paroisses aussi. C'est-à-dire que les paroisses, on pleure souvent de nos paroisses qui ont des répertoires peut-être parfois un peu dépassés ou des chorales un petit peu fatiguées. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on attend pour aller rejoindre ces chorales paroissiales, d'aller chanter avec eux? Ils seront ravis de nous accueillir et puis d'accueillir tous ces talents. Merci beaucoup Goulven pour tout ça. Alors je dis à ceux qui nous regardent que il y a quelques années de ça, on avait enregistré avec le chœur national, avec l'orchestre national, un CD. On avait fait le Trobraise que tu avais écrit, composé, qui avait été enregistré. Ça s'appelait Anent et je sais qu'on l'a à disposition sur les plateformes de streaming. Donc pour ceux et celles qui veulent aller découvrir une création finalement complète et contemporaine réalisée par les guides et scouts d'Europe. Il y a une bonne quinzaine d'années, je crois. Oui, il n'y a pas déjà. Loin de 20 ans. Ouais, c'était une belle histoire. Une belle histoire. Vous pouvez aller écouter Anent sur les plateformes. Anent, A-N-H-E-N-T, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Anent, ça veut dire le chemin. Chemin, et vous faites le tour du Trobraise, ce pèlerinage breton, bien connu des Bretons, peut-être pas assez à l'extérieur. Merci beaucoup, Goulven. Nous, on se retrouve par la magie des ondes. On va claquer des doigts comme ça, là, paf, et je me retrouve à Château-Landon pour la suite et la fin de ce concours national. Merci beaucoup, Goulven. À très bientôt. Et puis, j'espère en live un jour dans un jury à Château-Landon avec tout le monde. Ce serait chouette. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Salut. Alors, est-ce que vous êtes encore tous là? Oui, tapez des mains chez vous, faites du bruit, sauf s'il y a des voisins, bien évidemment. Nous, on est très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup, Goulven. Il y a des choses qui nous font dire, qui nous font chaud au cœur et qui un peu nous attristent, c'est quand on vous rappelle des événements que vous avez vécu il y a 20 ans, comme l'enregistrement de Anent. Mais c'est comme ça. Mais déjà, il y a 20 ans, dans les scouts d'Europe, on chantait et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les patrouilles. C'est les 5 patrouilles sélectionnées que vous allez voir maintenant. Alors commencez à regarder, vous pouvez prendre des petites notes pour le Grand Prix du public. Allez, une grille de lecture très facile à faire. Clair, beau, joyeux, vous mettez des notes de 1 à 5, puis à la fin vous ferez vos petits calculs pour voter sur la page Facebook de l'événement. Allez-y, c'est parti.
La première série de chants, ce sont les patrouilles du Lagardanière, du Renard de Lille, la Loutre de Sens, le Loup d'Auray et la Salamandre du Val-de-Seine. En route! Bonsoir à tous. Les scouts de la troisième année ont décidé, en cette période un petit peu particulière, de vous interpréter un chant assez spécial puisqu'il correspond très bien à notre totem de patrouille. En effet, le lagar, c'est donc un rapace, un faucon, qu'on trouve majoritairement en Amérique du Nord. Je vous laisse deviner quel chant nous allons interpréter. Et mon cœur a frémi, alors pas lourd, sur les bords de la rêverie de leur vallée. Ô Seigneur, là où tourne entre tes mains, où je vais aujourd'hui, je ne sais. Ô Seigneur, là où tourne entre tes mains, et je veux retrouver les pionniers. Les pionniers ont chers amis scouts, bonsoir. Nous sommes la patrouille du renard de la troupe scout d'Europe Première Lille et nous voudrions vous présenter le chant La Bourgogne, harmonisé par Marcel Orban pour notre première participation au concours de chant. Nous espérons qu'il vous apportera le bonheur que nous avons à le chanter. Merci. Au sein d'une vigne, j'ai connu le jour. Ma mère était digne de tout mon amour. Depuis ma naissance, elle m'a nourri. En reconnaissance, mon cœur l'a chéri. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de mignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Toujours la bouteille à côté de moi, du vent sous la treille, plus heureux qu'un roi. Jamais je m'embrouille, car chaque matin, je me débarbouille dans un verre de vin. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Madère et champagne, rochers en peau, des bouvins d'Espagne, malgré tout vos feux. Les jus de l'ivrogne réclament ses droits, devant la Bourgogne, salut les trois mots. Joyeux enfants de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Puisque tous ces combats en jour je mourrai, puisque dans la tombe toujours je boirai, que dans la bière vous sera mon corps, on y met en l'air un petit cordon. Joyeux enfants de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon.
On aurait dû chanter l'hymne à la joie. Mais en raison des conditions sanitaires, on n'est que deux dans la patrouille. Du coup, on va chanter Au revoir, camarades. Que le Seigneur te protège sur la route, veilleur à son ange. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles, où nous nous retrouverons demain. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles, où nous nous retrouverons demain. Au revoir, camarade, que le Seigneur te protège sur la route, veilleur à son ange. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles, où nous nous retrouverons demain. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles, où nous nous retrouverons demain. Au revoir, camarade, que le Seigneur te protège sur la route, au veilleur à son ange. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles, où nous nous retrouverons demain. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles, où nous nous retrouverons demain. Vous sommes Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonjour à toutes et à tous. Chers guides et scouts d'Europe, la patrouille du loup de la première Annalerie en Bretagne va vous interpréter les deux premiers couplets du chant de l'espérance. Le front penché sur la terre, j'allais seul et l'espérance est
Bonjour à tous, nous sommes la patrouille de la Salamandre, de la troupe de Bois-le-Roi, première Val-de-Seine. Et aujourd'hui, nous interprétons le chant En chasse de Henri Gire, composé à l'occasion de l'Eurojam 84. Si nous avons choisi ce chant, c'est parce que, évidemment, il parle de la nature. La nature est c'est quelque chose que nous vivons à chaque sortie, chaque activité dans la forêt de Fontainebleau ici. Voilà. En chasse, garçon, les yeux ouverts. En chasse, garçon, le ciel est clair. À toi, les oiseaux, les étoiles. À toi, le gibier, la forêt. Pour toi, chaque fleur a son visage et chaque arbre a son langage, chaque piste a son secret. Tu marcheras, tu découvriras la trace tortueuse du noir sanglier. Tu marcheras et tu surprendras dans la nuit ténébreuse le cerf assoiffé. En chasse, garçon, les yeux ouverts. En chasse, garçon, le ciel est clair. À toi les oiseaux, les étoiles. À toi le gibier, la forêt. Pour toi chaque fleur a son visage et chaque arbre a son langage, chaque piste a son secret. Tu marcheras, tu t'arrêteras, tapis dans le silence de l'aube à l'affût. Tu marcheras et tu verras le vanneau qui s'élance d'un volet perdu. En chasse, garçon, les yeux ouverts. En chasse, garçon, le ciel est clair. À toi les oiseaux, les étoiles. À toi le gibier, la forêt. Pour toi chaque fleur a son visage et chaque arbre a son langage, chaque piste a son secret. Tu marcheras, tu découvriras les sentes buissonnières, les grands horizons. Tu marcheras, tu écouteras tous les cris de la terre, le chant des saisons. Ah, vous êtes encore là ? Chouette. Bon, alors, c'est vrai que c'est pas facile de faire une veillée quand on est à distance, mais on va quand même essayer quelque chose en famille. Alors, je vous promets pas que ça réussisse. Ici, on est seul, il n'y a personne d'autre, mais on va faire le fameux banc de la carpe. Vous savez, quand on passe au-dessus, on tape des mains, quand on passe en dessous, on tape pas des mains. Ouais. On va essayer quand même. Hop ! Ça tape des mains ? Ouais, j'en vois quelques-uns. Non ? Hop ! Raté ! Hop 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 ! Ah ! Il ah, y en a un que j'ai vu, là, c'est vrai. Oui, toi, c'est toi ce que j'ai vu. Hop. Alors, il y a que vous qui savez si ça a fonctionné ou pas. Parce que moi, ici, je peux vous assurer, c'est vide. Je ne sais pas, mais j'espère que vous vous êtes bien synchronisés. Attendez, hop ! Allez, on passe à la catégorie suivante. C'est la catégorie des patrouilles guides. 5 patrouilles qui ont été sélectionnées. On les retrouve tout de suite. C'est parti. Je m'en vais, je vais montrer dans la marée.
Bonsoir, nous sommes la patrouille du chamois de la 10e Nantes et nous avons décidé cette année de participer au concours chant. En en parlant entre nous, nous avons choisi de le créer nous-mêmes, de créer notre propre chant et il s'inspire donc d'articles de la loi qui nous parlaient le plus. Nous espérons qu'il vous plaira. En tout cas, nous y avons mis tout notre cœur. Nous avons donc la joie de vous présenter ce soir Guide d'Europe en avant.
Nous sommes la patrouille libre du Harfang de Bourges et nous allons vous interpréter Ici au matelot de Darcy, avec un accompagnement à la harpe réalisé par moi-même. Bonjour à tous, nous sommes la patrouille libre de l'Hermine et nous venons de Bourges. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un chant qui s'appelle le chant des lois. Ce chant, nous l'avons créé il y a 2 ans. Il est important pour nous parce qu'on trouve que la loi scout est fondamentale et parce qu'il n'y avait toujours pas de chant qui avait été inventé dessus. On remercie aussi beaucoup notre ancienne CP qui a énormément participé à la création de ce chant et qui est aujourd'hui derrière la caméra. Saint-Jean-Da, puis tout notre honneur, avec tes confiances, et comme Saint-Louis envers son pays, soyons loyaux et unis. Honneur, fidélité, service prochain, et Mère Teresa, bonne pour tous, ressemblons-lui toute la vie. Honneur, humanité, service généreux des coupables, œuvre Dieu obéissant, joyeux, charitable et pur. Remercions Dieu, louons-le. Amen.
Saint Joseph, obéissons à Dieu, écoutons son appel, et comme Sainte Cécile, chantons les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Honneur, fidélité, service. Nous sommes les guides de la patrouille du Castor de la compagnie 2e Saint-Maurice. Nous allons vous interpréter un Ave Maria de Pierre-Marie Houle avec flûte et clarinette. Garçon, prend la barre, ce sera pour tout à l'heure. On est très heureux d'être avec vous pour ce 3e concours national de chant scout. Vous le savez, on est là depuis 20h30, on entend des troupes, des patrouilles de guides, de scouts qui chantent et je peux vous dire qu'il y a vraiment du talent à revendre. Je vous propose que nous fassions comme si nous étions en veillée, nous allons chanter ensemble. Alors nous allons chanter ensemble, chacun chez nous, à plusieurs ou tout seul. N'hésitez pas à chanter et les images que vous allez voir qui vont vous permettre de chanter, c'est une sorte de karaoké scout, ce sont les premières images de la première chaîne YouTube consacrée au chant scout et surtout au patrimoine
des guides et scouts d'Europe qui a été enregistrée depuis quasiment 1976. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Elle n'est pas prête tout à fait encore. Elle sera officialisée le 21 juin, mais vous pouvez d'ores et déjà vous y abonner. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un karaoké géant. Devant votre téléviseur, on vous voit un certain de temps en temps, vous chantez, vous avez vos activités, vous nous regardez. Eh bien, continuez à nous regarder sur vos écrans et on va chanter ensemble un chant, un des chants que vous connaissez tous par cœur. Vous n'avez même pas besoin de votre odari. Il s'agit de « Eh garçon, prends la barre ». C'est parti, tous ensemble, « Eh garçon, prends la barre ». Eh garçon, prends la barre, vive au camp et la gueule est vide. Le vent te raconte l'histoire des marins couverts de gloire. Il t'appelle et tu le suis. Il t'appelle et tu le suis. Vers les protéger. Hey garçon, prends la barre. Alors, vous avez des anecdotes, je suis sûr que vous pourrez tous raconter et toutes raconter des anecdotes sur l'enregistrement de la vidéo que vous avez envoyée. Et sur ce chant, j'y étais à cet enregistrement. On l'a enregistré 20 fois. Pourquoi ? Parce que derrière l'église, il y avait un chien qui aboyait entre chaque prise. Et évidemment, cela s'entendait. Donc, il y a toujours des anecdotes. Je vous propose maintenant de continuer notre parcours. Et cette fois-ci, ce sont les concurrents de la branche verte qui vont intervenir. La troupe Première Lille, la compagnie 2e Angers, la compagnie 6e Roquencourt, la compagnie 2e Is-sur-Tille et la compagnie 8e Marseille. Allez, c'est à vous, bon courage, on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, nous sommes la troupe Première Lille. L'année dernière, nous avons adopté un chant de troupe et l'idée nous est venue de vous le présenter. Il s'intitule « Oh ma troupe ». Composé par notre saint patron le père Jacques Sevin et harmonisé par Pierre-Louis Mazzi, choriste au chœur scout des Flandres, et réécrit par Théophile Rouche, assistant à la troupe. Nous espérons qu'il vous donnera autant de joie que nous avons à le chanter ensemble. Oh ma troupe, oh troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. Scout d'Europe pour toujours, nous saluons le beau sang. Pas de peine ni de cœur lourd, trois étiers tous en avant. Troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. Nous ne suivons qu'une parole, celle brûlante de charité. La première place pour les plus faibles, nous vivons en chevalier. Oh ma troupe, oh troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. Tous ensemble avec nos frères, dans les pas du Père Sevin, nous développerons sur terre le scoutisme européen.
Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. Dans le ciel, tous les anges nous guident avec la mission de chanter à Dieu nos louanges. Merci pour la création. Ô ma troupe, ô troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours purs et généreux. Ô ma troupe, ô troupe chérie, que dans tes rangs l'on vit heureux. Garde-nous par Jésus-Marie, garde-nous toujours. Bonjour mademoiselle, qui êtes-vous? Que faites-vous habillée comme cela? Je suis pèlerin de Compostelle et je marche sur la route des cathédrales. Et vous, pourquoi cet uniforme? Je suis guide de robe de la compagnie 2e Angers. Pour le concours chant national, nous chantons Ultrea Santiago, écrit et harmonisé par les frères Martino. Incroyable! Cela me fait penser à votre cri Ultrea. Voulez-vous faire route avec moi? Bien sûr! Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Une bouteille. Tu sais, tu bois beaucoup trop. Pourquoi tu bois autant? J'ai entendu dire par Athénien que Clément Marot a dit que le clairet éliminait les maladies. Appelons le troubadour de la 6e Rotonde. Il chante le tour de vie pour nous dédier à une bouteille.
qu'il chante devant le tourbillon pour donner du goût à ce que nous vivons. La nuit tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en joue à boire. Quand je bois du vin clairé, la nuit tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en joue à boire. Chantons et buvons, à la seule plaque en faisant la guerre. Chantons et buvons, les amis buvons donc. Chantons et buvons, à la seule plaque en faisant la guerre. Quand je bois du vin clairé, la nuit tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en joue. Quand je bois du vin clairé, la nuit tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois en joue. Bonjour, nous sommes la compagnie de la deuxième Issurtie et nous nous présentons pour la deuxième fois. Nous avons décidé de vous interpréter le chant Je vais à Santiago, qui est un chant traditionnel, qui a été arrangé par Henri Gir. Car, rappelons-nous, nous sommes en constant pèlerinage, toujours avancés en marche vers la sainteté. Tu pèlerin, ton bâton sur l'épaule, mes cheveux dans le vent et les yeux vers le ciel. Où vas-tu pèlerin sur cette route folle qui s'en va vers le sud, tout brûlé de soleil? Je vais à Santiago de Compostela, je vais
aujourd'hui, pas de notes fausses. Voici le petit Ritanos. Devant vous, fièrement, la 8e Marseille. Vous procure un instant de joie et de soleil. Sans être du monde, la 8e merveille, nous saurons malgré tout enchanter vos oreilles. Vous êtes encore là? Je crois qu'il y en a de plus en plus. On s'est renseigné, vous êtes à peu près 760 connectés. Alors si on multiplie par 3, ce qui est à peu près le nombre de personnes par famille en moyenne, on est à peu près 2000, un peu plus de 2200, 2100 à être connectés pour ce troisième concours national de chant scout. Alors je vous propose que nous fassions une petite expérience à distance. C'est assez rare qu'on puisse le faire de cette manière-là. On va essayer de faire ça tous ensemble. Je vous ai dit, au début de la veillée, prenez un papier, un crayon ou une calculatrice. Il va falloir faire un peu de calcul mental. Ce n'est pas forcément toujours très, très facile. Mais on va faire une expérience unique. On va essayer d'imprimer des images uniquement au travers de la pensée. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai mis ici, sur l'arbre, une enveloppe. Vous la voyez ici, l'enveloppe, avec une feuille blanche à l'intérieur. Et on va essayer d'imprimer vos pensées. Ça s'appelle le Wi-Fi mental. On va essayer d'imprimer vos pensées au travers de l'espace et du temps qui nous sépare. Alors, c'est très simple. Pour cela, il va falloir faire un peu de calcul mental. La première chose à faire, c'est de prendre votre âge. Si vous avez moins de 10 ans, vous prenez l'âge d'un parent, d'un papa, de maman, ou d'un frère, ou d'une sœur, ou d'un copain de plus de 10 ans. Tu prends ton âge. Mettons, par exemple, que tu aies 15 ans. D'accord ? Tu vas prendre, additionner, le 1 et le 5, ce qui va donner le 6. Et ce 6, tu vas le soustraire à ton âge, ce qui va donner, par exemple, 9. Alors, je vous laisse quelques instants pour faire les calculs. On va redonner un exemple. Par exemple, vous avez 45 ans. Eh bien, 4 plus 5 égale 9. 45 moins 9, ça nous fait donc, je ne sais plus, 36 ans. Voilà. 36 ans. Et après, dans cette grille-là, tu vas chercher le symbole qui correspond. Si c'est 46, tu prends le fanion. Si c'est 68, la fleur de lys. Si c'est 36, la croix de béret. Voilà. Vous repérez bien le symbole et vous le gardez en tête. Vous ne le dites pas à votre voisin, à vos parents, et vous le gardez bien en tête. Et maintenant, vous le projetez. Moi, je suis un récepteur. Là, je réceptionne tout. Ça y est, je réceptionne tout. Tous les éléments, je les ai là. Je les prends. J'en fais un Wi-Fi mental dans ma main. Et je projette toutes les images
sur l'enveloppe. Maintenant, vous restez calme. Vous ne vous excitez pas. Et on va ouvrir l'enveloppe. Si l'un de vos symboles apparaît, alors vous pourrez applaudir à tout rompre dans votre maison. On va regarder. Il y a à l'intérieur... Ah, il n'y a qu'un seul symbole. Non. Non, vous n'allez quand même pas me dire que vous avez tous choisi la croix de béret. C'est formidable. Comme quoi, on est tous unis par la magie des ondes et on va continuer notre concours national de chant scout. Ce troisième et dernier élément de ce concours national de chant scout, c'est la dernière catégorie. Alors, que me dit la régie ? L'avant-dernière catégorie, bien évidemment, il y a les chorales entre-temps, mais c'est la dernière catégorie des unités constituées. Alors, pour finir, voici cette avant-dernière catégorie qui est celle de la branche rouge. Les feux, les clans, elles sont là, devant vous, depuis quelques instants. On les retrouve tout de suite et nous, on se retrouve tout de suite après. On fera encore un deuxième karaoké, vous allez voir, c'est top. Allez, c'est parti, les feux et les clans. Le clan de l'abri, bienheureux Marcel Callot, est heureux de vous présenter l'hymne à la route. Un chant écrit et composé par Jean-Tristan Bonnet et interprété par les instrumentistes Patrick Leuillet et Baptiste Bischoff, accompagnés des voix des routiers du clan. Ce chant parle de notre vie à la route ainsi que de notre esprit routier.
tous, nous sommes le feu Sainte-Jeanne Beretta Mola du district de la Manche et du Calvados et nous allons vous interpréter le chant Sur nos chemins, écrit par Maïlys qui nous accompagne à la guitare. Les deuxièmes voix ont été écrites par Clotilde et Maïlys qui sont ici présentes. Merci. Sur ce sentier, peu certain, Notre-Dame nous tient. Le bonheur ne vient pas à ceux qui restent assis, alors nous marchons. Le cœur immaculé de Marie veille sur nous. Nous venons d'Angers, de Cholet, de Laval et de Saumur pour vous chanter « Je vais à Santiago », écrit et composé par Raymond Faux, harmonisé par Henri Gire et les guides aînés du feu. Je vais à Santiago.
Le feu Notre-Dame des Bois va vous interpréter Dukin Altum, écrit par Jean-Luc Dassas. Créé à partir d'une lettre apostolique de Saint Jean-Paul II, les paroles fortes et profondes de ce chant nous invitent à aller toujours plus loin dans nos engagements et nos vies tournées vers les autres, à être des éclaireurs, tels que nous pouvons l'apprendre au feu. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le Feu Notre-Dame de la Dorale de Toulouse. Nous allons chanter le chant Domino Christo Servire, qui a été composé par Jean-Luc Dassas. Nous avons choisi ce chant car il signifie « Servir le Christ Seigneur », qui est une devise vers laquelle nous devons tendre quotidiennement. Domino Christo servire, Domino Christo servire, Domino Christo servire.
je vous propose que nous prenions un petit chant tous ensemble. Vous vous souvenez le karaoké, je vous en ai promis un deuxième. Eh bien, cette fois-ci, nous allons partir dans les steppes d'Asie centrale, nous allons partir en Russie, et c'est ensemble que nous allons tous reprendre, chacun chez soi, mais en cœur, unis, entraînons. 3, 4. Merci à vous tous d'avoir participé à ce karaoké. Alors n'oubliez pas, le 21 juin, la chaîne YouTube ouvrira et on vous expliquera ce qu'il y aura à l'intérieur et comment cette chaîne va pouvoir être aussi enrichie au fil des mois et au fil des années. Il est temps de commencer, et plutôt de terminer par la dernière séquence qui est celle des chorales. Les chorales, ce sont 8 unités aujourd'hui, il y en aura 6 ce soir, à travers la France, qui se réunissent. Alors évidemment, ça a été un peu plus compliqué parce que ce ne sont pas des unités constituées, elles sont à gauche, à droite, et c'est compliqué parfois de se réunir. Donc bravo à elles d'avoir pu fournir leur contenu vidéo. On va les écouter et on va commencer par la première. Et la première, on a besoin d'un papier, d'un crayon. Vous allez pouvoir jouer en famille si vous le voulez. C'est la chorale Saint-Augustin de Strasbourg qui nous propose un petit jeu. Pendant leur chant, vous allez pouvoir faire deux colonnes. Une colonne, dès que vous repérez des notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, j'en passe, les bécards, etc. Tout ce qui a un rapport avec une note de musique. Et puis, de l'autre côté, une colonne avec tous les éléments qui se rapportent à la musique, cymbales, sitar, etc., etc. Et puis, vous allez noter le nombre de fois qu'ils apparaissent. Alors, vous ne marquez pas do, ré, mi, fa, sol, ou cymbales, sitar, vous mettez juste des petits bâtons, puis à la fin, vous comptez le nombre de fois que vous avez entendu. Et pour répondre, eh bien c'est très simple, vous allez flasher le QR code qui est en bas de l'écran, là, juste en bas de cet écran, vous le flashez ou vous allez sur la page Facebook de l'événement où vous allez pouvoir donner vos réponses et puis on reviendra vers vous pour vous dire si vous avez trouvé les bonnes réponses ou si vous vous êtes trompé
Et bien évidemment, il y aura une correction. On n'est pas à l'école, mais il y aura les résultats, en tout cas, de ce petit jeu. Et on remercie beaucoup la chorale Saint-Augustin de Strasbourg d'avoir fait un chant interactif. Ça rentre bien dans le cadre du distanciel dans lequel nous sommes ce soir. Je vous propose d'écouter les 6 chorales qui ont été sélectionnées, donc la chorale Saint-Augustin de Strasbourg, le chœur scout de l'Anjou, le chœur scout des Flandres, la cigale et le grillon, la chorale Notre-Dame du Magnificat de Paris et enfin le chœur Adiuvanos de Lyon. C'est parti, en route et haut les chœurs, c'est le cas de le dire. Nous sommes la chorale Saint-Augustin de Strasbourg. Nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion de ce 3e concours de chant scout. Ce soir, nous allons vous proposer de pouvoir jouer ensemble. Pour faire un petit jeu en musique, nous allons interpréter une chanson et vous allez devoir noter un certain nombre de choses. Soyez attentifs. Prenez un morceau de papier, un stylo et vous faites 2 colonnes. Une colonne où vous allez noter à chaque fois que vous entendez le nom d'une note de musique. L'autre colonne dans laquelle vous allez noter à chaque fois que vous entendez un terme en lien avec la musique ou le solfège. Et à la fin, on fera les comptes et on verra combien de termes de musique vous avez trouvé, combien de notes de musique vous avez trouvé. Donc pour ce faire, nous allons faire un petit clin d'œil à nos frères et sœurs de la branche jaune, c'est-à-dire les louveteaux et les louvettes, puisque nous allons reprendre un chant qui est tiré du Livre de la Jungle, le dessin animé de Walt Disney. Donc ce chant, c'est « Il en faut peu pour être heureux ». Il a été composé par Terry Gilkyson, puis harmonisé et adapté par Edith Perrouzer. Mais les paroles sont de nous, la chorale Saint-Augustin de Strasbourg, et on a appelé ça « Il en faut peu pour chanter mieux ». N'oubliez pas que Saint-Augustin l'a dit « Chanter, c'est prier deux fois ». À vos stylos. Il en faut peu pour chanter mieux, vraiment très peu pour chanter mieux. Quelques répétitions sont nécessaires. Chacun se plonge sa tessiture, toutes les voix sont dans la nature. S'en prend la côté dans le passé. Je m'oublie sous le dépassement. Dans toute la jungle, je m'oublie des admirations. Je m'oublie des éléments sur ma portée. On dirait une choucroute ratée. Et quand un seul trou de cette ouvette, un fa dièse dessous, et c'est bon, c'est doupi doupi doupi. Il en faut vraiment peu, très peu pour chanter mieux. Bonjour à tous, nous sommes le chœur scout d'Anjou et nous allons vous interpréter l'hymne de l'Anjou, un air traditionnel qui a eu son apogée au début du XXe siècle et que nous avons décidé de faire renaître. Les paroles sont de Verrier et nous l'avons harmonisé. Le projet sans le sang.
Le Cœur Scout des Flandres est heureux de vous inviter dans son voyage à travers l'histoire, grâce à une composition inédite d'un des membres de ses rangs. Écoutez et regardez notre aventurier parcourir les âges avec sa mélodie à travers les costumes et les harmonies. Exalté, prime, petit, joué, sans jamais s'arrêter.
La cigale et le grillon vont vous interpréter un air traditionnel anglais, arrangé par un ancien choriste, Pascal Hockmiller. Le roi dont il s'agit ici n'est pas celui de la table ronde, mais un homme comme tant d'autres, père de 5 enfants. Malgré ses méthodes d'éducation innovantes, il ne peut empêcher 3 de ses fils de mal tourner et la faire vire au drame. Le roi Arthur avait 3 fils, quel supplice! Mais c'était un excellent roi, oui ma foi. Ses fils furent chassés, oui chassés à coups de pied, pour n'avoir pas voulu chanter. Pour n'avoir voulu chanter, oui. Pour n'avoir voulu chanter, oui. Car ses fils furent chassés, oui chassés à coups de pied, pour n'avoir pas voulu chanter. Le roi Arthur est passé, quel supplice! Le premier fils,
comme une tailleur de son pays, un rouleau de bras sous son bras. Le premier fils volé du blé, c'est bien l'air. Le second fils volé du fil, c'est bien l'air. Inscrivez vos enfants chez des scouts, ils chanteront toute la journée. Nous sommes la chorale Notre-Dame du Magnificat de Paris. Nous allons vous interpréter Compostelle de Christian Erard. Laissez-vous transporter par nos chants sur les chemins de Saint-Jacques. Battons, retraçons la route, Seigneur, conduis nos pas.
de Compostelle. Scouts et guides, ce soir, j'espère que vous vous laisserez émouvoir par le cœur scout à Giovanos, qui humblement se mesure au colosse. En effet, nous sommes nouveau-nés, car ce n'est qu'en septembre que la chorale fut formée. Mais plus du plat que les plis du plaid, et plus le plaid est plat. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de vous offrir nos voix. De Milano à Torino, en passant par Napoli, nous avons épluché les chants du Haut-Dari. Mais nous avons choisi César Geoffrey, lui qui était chanteur, chef et surtout lyonnais. Amis scouts et guides, installez-vous confortablement, tendez l'oreille, vous entendrez le vent. Mesdames et messieurs, nous vous présentons sur les monts. Yeah.
Maintenant, ça va être à vous de jouer, même si certains ont déjà commencé à jouer, puisque ça va être le temps du vote du chant du public. Alors, sur votre écran, vous voyez apparaître la liste des concurrents avec un numéro, et vous allez pouvoir vous rendre sur l'événement Facebook qui a été spécialement organisé, et vous allez pouvoir choisir le numéro du candidat, de la chorale, de la patrouille, de la troupe, de compagnie, du clan du feu que vous voulez. Attention, s'il vous plaît, soyez bons joueurs. Ne votez qu'une seule fois par ordinateur, ne votez pas plusieurs fois, histoire que nous ayons quand même quelque chose qui s'approche de la réalité. Alors, on va revoir, vous avez tous les noms des patrouilles hein, et des troupes et des compagnies qui s'inscrivent. Vous les regardez, vous remémorez, vous reprenez votre grille, beau, clair, joyeux, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Vous les voyez toutes réapparaître et tout de suite après, on vous proposera un petit medley pour que vous vous remettiez bien en mémoire chacune des prestations de nos invités. Et puis, on se retrouvera tout de suite après pour en arriver bientôt, je vous assure, bientôt au résultat de ce troisième concours national de chant scout. Le jury a tout vu maintenant, il va commencer à délibérer. C'est à vous aussi maintenant de délibérer au travers de ce choix du public. On revoit un petit medley de toutes les prestations pour vous les remettre en tête. C'est parti. Je suis fier d'être bourguignon. Que la Vierge te montre le chemin des étoiles. Oh non, nous retrouverons demain. Il disait, reprends courage. L'espérance est un trésor. À toi les oiseaux, les étoiles. À toi le gibier, la forêt. Thank you.
de pied pour n'avoir pas voulu chanter. Seigneur, qu'on ne n'a pas au-delà de nos doutes sur les chemins de Compostelle. Quand l'ouragan, l'ouragan que chante son hymne de joie. On est de retour à Château-Landon au Forum pour le 3e concours national de chant scout. Le jury est en train de délibérer. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous le président du jury qui va aller les retrouver tout à l'heure pour lui poser quelques questions. Goulven Hérault, tu es avec nous. Bonjour Goulven. Alors, Goulven, est-ce que tu nous entends? La magie du direct fera-t-elle? Goulven, es-tu avec nous? Alors, ce que je propose, et si la régie en est d'accord... C'est... Bonjour tout le monde, bonjour Patrick. Ah non, ça y est, on a retrouvé. Bonjour Goulven. Merci beaucoup. Alors, tu as suivi directement hein, toute cette soirée. Alors, moi, j'entends très très bien. Et nous aussi. On va voir. Bonjour. Oui. Alors, moi, je suis là, je vous entends très bien. On va avoir un petit décalage, ne t'inquiète pas, et on va reprendre tout de suite après notre interview. Voilà, vous voyez, on est dans les aléas du direct. T'inquiète pas, Goulven, on te reprend tout de suite. Voilà, je pose ma première question. Goulven, dis-nous ton sentiment après cette soirée passée à regarder tous ces chants, toute cette soirée. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que tu gardes? Alors, grand moment de silence. Moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde les images de la maîtrise de la maîtrise de Saint-Brieuc, dont tu es le directeur. Elle a été créée il y a 600 ans. Et pour ce faire, vous avez sorti un certain nombre d'images des archives. Et puis, on essaye de voir si on peut améliorer. Alors là, je garde beaucoup, beaucoup de joie d'avoir vu tout ça, d'avoir pu... Allez, on enchaîne avec les images de la maîtrise et on retrouve Goulven après. Ne t'inquiète pas, Goulven, tout va bien. La 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 la
voilà, nous allons remettre la connexion avec Goulven Hérault. Mais avant de le retrouver, je vous propose, vous avez vu cette rétrospective 600 ans de vie maîtrisienne à Saint-Brieuc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a assez peu de maîtrises en France qui ont une aussi longue durée de vie avec quelques interruptions, bien évidemment comme quelques conflits de guerre et quelques conflits mondiaux. Ces chanteurs, ils sont quelque part ceux et celles qui nous ont précédés dans le chant scout, dans le chant choral. Et je vous propose de redécouvrir une rétrospective des deux premiers concours nationaux de chant scout. C'est parti et on se retrouve tout de suite après. On rétablit la connexion avec Goulven et on l'interroge sur ce qu'il a vécu pendant cette soirée. Le chant a le privilège de pouvoir se mêler à toute espèce d'activité. Déjà Geoffrey vous dit, chanter en chœur, c'est faire grandir l'homme. Vous m'avez bluffé, on a lancé ce concours en se disant on aurait peut-être 3 concurrents, 10, 25, et il y en avait 53. Ce soir, après donc cette grande phase de sélection, on va se retrouver pour une grande veillée festive, on va être tous ensemble, là on aura l'occasion de chanter tous ensemble. Le problème d'un concours, c'est qu'il y a des gagnants, il y a des personnes qui ne sont pas gagnantes, mais ce n'est pas un échec de ne pas être gagnant, c'est simplement une étape pour aller encore plus loin, et l'important c'est quand même de participer. Marie-Camille et Michel-Henri vont vous remettre un flot de ce concours de chant pour bien marquer que ça fait partie de votre vie de patrouille pour cette année. Je vous demande aux commissaires généraux de bien vouloir ouvrir ce concours en nous donnant le « la ». Bienvenue dans ce premier concours de chant. Quand ils étaient à table, oh!
Eh ben moi, je suis bluffé. Je suis bluffé du travail, de l'imagination et de votre esprit, un esprit de partage. Bravo. Le prix du public a été attribué à la patrouille de l'Alouette. Chez les guides, le premier prix est quant à lui attribué à celles qui sont toujours prêtes. Les patrouilles. Le premier prix, Claude, est attribué bien évidemment à les unités. À l'ancienne, j'avais une cabane. Maintenant, c'est les chorales. Le corps des Flandres de Lille. Que notre bonheur dans le ciel sera de chanter tous ensemble, pourquoi ne pas commencer aussitôt ? Et je crois que c'est ce qu'on a fait ce week-end. Voilà, voilà, on a terminé sur ces quelques notes de musique. Je vous propose d'en écouter d'autres en attendant de retrouver Goulven. C'est celle de l'ensemble des chœurs, des petits chanteurs de Bretagne qui, avec agilité, comme vous toutes et tous, durant ce troisième concours de chant national, ont été aussi agiles pendant le temps du Covid. Ils ont enregistré à distance des petites vignettes, chacun chez soi. On en a vu beaucoup passer pendant cette période. Je vous propose de découvrir les chœurs de maîtrise de Bretagne, des petits chanteurs de Bretagne. J'ai mon micro qui sature. Thank you.
Voilà, on revient avec vous. La technique, elle est là, mais parfois, elle fait un peu défaut. C'est aussi ça qui fait la qualité de nos événements, c'est que parfois, il faut se laisser avoir par l'imprévu. L'imprévu, c'est toujours un chemin du possible, comme on dit. Et on a retrouvé quand même Goulven. Goulven, est-ce que tu m'entends ? Eh bien, écoute, oui, voilà, on va certainement te voir d'ici quelques instants. Comment as-tu passé de cette soirée ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette soirée ? Et après, on parlera des vidéos que tu as pu voir. Ben, ce qui m'a marqué, c'est la joie qui se dégageait, l'enthousiasme qui se dégageait, malgré les masques, malgré la vidéo, malgré la distance. Toute l'énergie qui est arrivée jusqu'à Saint-Brieuc, jusque chez moi, et je pense jusque dans toutes les maisons et dans tous les foyers qui ont reçu cette soirée. Donc vraiment, ouais, ce que je vais ressortir, ce qui m'enthousiasmait, c'est cette énergie, cette joie qui est arrivée dans notre ville et dans notre maison. C'est ça qui s'est propagé. Qui s'est propagé un peu partout, dans tous les foyers. J'espère que d'ailleurs vous passez toutes et tous des bons moments. On a vu de temps en temps des petites captations de vidéos chez les uns, chez les autres. On a vu que vous étiez là ensemble. C'est un moment important à partager, à vivre en famille. On s'en souviendra peut-être d'ailleurs dans quelques années, en disant « Ah oui, tu te souviens, le concours national de chant, on était dans le salon. » Dans toutes ces vidéos, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, Goulven ? Est-ce qu'il y a des vidéos qui t'ont marqué davantage que d'autres ? Alors, moi, j'ai été marqué. Je ne vais pas révéler mes préférences, mais en fait, j'ai deux choses qui m'ont vraiment marqué. La première chose, c'est que vous avez vu, là, effectivement, à l'instant, on a eu pas mal de vidéos qui ont déferlé sur la toile depuis le début du confinement, avec beaucoup de production, et puis de plus en plus de techniques, etc. Et alors, là, moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est la simplicité et comment, avec peu de moyens, on peut faire quelque chose de vraiment, vraiment chouette. Mmh. Et de voir toutes ces vidéos sans chichi, sans trafic dans la production, des voix avec pas de réverbération sophistiquée, juste parfois une guitare, puis de la polyphonie que vous avez réussi à mettre en place. Et puis les oiseaux comme premier public et puis aussi comme orchestre. Je ne sais pas si vous avez fait attention comme moi à tous ces oiseaux qui gazouillent au milieu de toutes ces voix. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai aimée. Mmh. Et puis la deuxième chose qui m'a marqué, je pense qu'il va me marquer pendant longtemps, c'est vous avez vu tout à l'heure aussi la vidéo de la maîtrise de Saint-Brieuc pendant la guerre qui pendant les années 40, où les jeunes, par le scoutisme, faisaient une forme de résistance en chantant la Marseillaise, en hissant les couleurs alors que les Allemands n'étaient pas loin. Et ben, il m'a semblé que dans cette vidéo, et bien entendu dans toutes les vidéos que j'ai pu voir aussi et qui n'ont pas pu passer ce soir, il m'a semblé voir vraiment des actes de résistance vis-à-vis de notre occupant actuel, vous savez, le Covid, qu'on n'ose pas en être nommé. Mais vraiment, il m'a semblé voir ça. Voilà. C'est des vrais actes de résistance, de prendre ses cordes vocales, de chanter malgré le masque et puis d'envoyer toute l'énergie comme ça. Vraiment un grand, grand bravo à tout le monde. Et dans la petite vidéo qu'on a faite auparavant, tu parlais de ces jeunes qui devaient faire attention à leur voix. Tu as eu ce sentiment au travers de ce qu'on a vu que finalement, moi j'ai trouvé que les voix étaient plutôt assez bien respectées globalement. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein, et puis c'est important de continuer ça, de bien respecter ça et de faire attention à son instrument. Ouais. Vraiment, bravo à ça. Bravo pour tout le monde. Merci beaucoup, Goulven. Tu vas retourner voir un petit peu le jury. On va bientôt avoir les résultats. Je me tourne vers le jury. Est-ce que le jury est prêt à donner les résultats ? Le jury est prêt. Merci beaucoup, Goulven. Tu restes un petit peu connecté avec nous. N'hésite pas si jamais tu souhaites reprendre la parole. La régie te la redonnera très volontiers. Eh bien, c'est gentil. Merci. Directement, maintenant, il est temps d'avoir les résultats de ce troisième concours national de chant scout. Vous êtes plus de 600 connectés, ça fait à peu près 1800, 1900. Allez, on va être généreux, il y a 2000 personnes connectées à regarder. On va donner aujourd'hui les résultats. J'appelle Marie de Bonaventure, la chef technique, la chef de l'équipe technique nationale animation de chant. Marie, si tu veux bien me rejoindre ici. Et puis, accompagnée de Jean-Luc Dassas, qu'on retrouvera d'ici quelques instants. Marie, rejoins-nous vite, s'il te plaît. Hop, je reprends mes petites fiches pour être certain de ne pas faire d'erreur. Marie, on va y aller. Qu'est-ce que tu ressors, Marie ? Dis-nous tout un petit peu sur ce troisième concours national de chant scout. C'est le troisième que tu organises. Tu as dû voir beaucoup de vidéos, beaucoup de chœurs, beaucoup de chorales. Qu'est-ce que tu retiens de ce troisième concours avant de donner les résultats ? Alors moi, ce que je retiens, c'est la ténacité de tous les groupes. Le dernier, on a reçu une patrouille de guides après les sélections. Après les sélections, on a reçu une patrouille de scouts juste avant.
Moi, j'ai admiré les unités qui ont chanté avec la moitié de leur effectif. J'ai admiré aussi beaucoup de prestations de gens qui n'ont pas été retenus ce soir, mais à qui on avait envie de donner un maximum de notes, si tant est que ça puisse se noter, l'esprit scout. Avant que, avec les commissaires généraux, on décide de faire le plan B, les patrouilles, elles me disaient, est-ce qu'on a le droit d'inventer nous-mêmes notre troisième voie? Est-ce que ceci, cela, elles étaient parties, pandémie ou pas voilà. On a presque le sentiment que ça a libéré un peu plus la créativité que si elles étaient venues à Châtelon. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, j'ai eu l'impression à voir aussi que c'était plus difficile de chanter pour une caméra et éventuellement un papa qui était derrière la caméra que ici où il y a l'ambiance qui vous porte. Mmh. Donc tous les gens du spectacle disent ça, que le public ça manque et le public ça nous manque ici ce soir. Je confirme. Ça a manqué, je pense, à chacun. Mais bon, voilà, ce sera encore mieux de se retrouver l'année prochaine. Et moi, j'étais vraiment très admirative de beaucoup de choses. Et je voudrais souligner en particulier cette année l'investissement des garçons qui ont eu une croissance, on les a un petit peu aidés, mais une croissance en nombre et en qualité aussi. Donc, les garçons qui regardaient, inscrivez-vous pour l'année prochaine. Les filles, je ne leur dis pas parce qu'elles s'inscriront même si on ne leur dit pas. C'est tandis ça. Que les garçons, même s'il n'y a pas de concours national franchement, de chant scout, franchement, ça vaut le coup que vous vous mettiez à chanter et que vous veniez nous partager ça. Alors, Marie, on rappelle, tu parlais de l'esprit scout, que tous les participants qui, malheureusement, n'ont pas été sélectionnés recevront ce flot bleu. Je le porte à la caméra pour que vous le voyez bien, ce flot que vous pourrez très prochainement recevoir par la poste et que vous mettrez, bien évidemment, sur vos staffs de patrouille. Ça prouvera que vous avez participé à ce concours et que vous êtes de valeureux concurrents. Mais ce qui intéresse ceux et celles qui sont avec nous ce soir, Marie, on ne va pas se le cacher, c'est les résultats dans chacune des catégories. Trois prix par catégorie, un troisième, un deuxième, un premier. Alors, tu vas chercher le diplôme, puisque chaque concurrent, troisième, deuxième et premier, va recevoir un joli diplôme, il pourra bien évidemment encadrer, mettre dans son local de patrouille ou mettre dans son cahier ou son carnet qui retrace la vie de l'unité. On le montre ici à la caméra. Voilà le premier prix. Alors là, c'est le diplôme du premier prix, bien évidemment, mais il y en a un pour le deuxième et le troisième prix. Et puis, Marie, si je ne me trompe pas, pour chaque... je te redonne le diplôme. Pour chacun des premiers prix, on découvrira les lots qui leur seront quand même donnés et transmis. Voilà, et ils seront transmis, vous ne les recevrez pas directement. On les enverra à votre commissaire de district pour qu'il trouve une occasion, peut-être les fêtes de groupe de fin d'année ou des choses comme ça, pour vous le remettre un peu solennellement, comme si ça avait été ici, pas juste le chef qui reçoit un paquet et puis qui dit à ses scouts, allô, j'ai reçu un paquet, quoi. Voilà, donc vous le recevrez, peut-être pas tout de suite, c'est un peu compliqué à envoyer, vous verrez. Mais dans les quelques semaines, Marie, avant votre camp, vous recevrez votre lot. Marie, on ne va pas faire patienter plus que ça ceux et celles qui nous écoutent. Je pense que ça trépigne d'impatience. On va donc commencer par la catégorie des patrouilles scouts. Marie, qui est le troisième? Qui reçoit le troisième prix dans les patrouilles scouts? Le troisième prix est remis au lot de la première auray. La première auray, on les applaudit très fort chacun chez soi, on peut les applaudir sur internet en mettant des petites mains, bravo. Voilà, on les écoute. L'espérance est un trésor. Donc la patrouille du loup d'auray, de la première auray qui recevra bien évidemment son diplôme. Le deuxième dans la catégorie patrouille scout, Marie, quel est-il? C'est le renard de la première Lille. Le renard de la première Lille qui reçoit donc le deuxième prix. On écoute un passage de sa prestation. Allez, maintenant le premier, et on va découvrir en même temps le premier prix et le lot qui lui sera attribué par son commissaire de district très prochainement. Le premier, Marie, dans la catégorie patrouille scout, c'est... La salamandre de la première Val-de-Seine. La salamandre de la première Val-de-Seine. En
chasse, garçon, le ciel est clair. À toi les oiseaux, les étoiles, à toi le gibier, la forêt. Pour toi, chaque fleur a son visage, chaque arbre a son langage, chaque piste a son secret. Voilà, et on l'a vu hein, pendant leur interprétation, la guitare qui sera transmise et qui permettra de continuer à apprendre à chanter ensemble, à chanter au veillé, et puis bien évidemment dans les coins de patrouille pendant les camps d'été. Marie, on passe à la section guide maintenant, les patrouilles guides, la troisième patrouille guide qui a été sélectionnée et primée. C'est la gazelle de la deuxième Dijon. La gazelle de la deuxième Dijon, on l'écoute. La deuxième patrouille guide qui a été primée, c'est le chamois de la dixième Nantes. La dixième Nantes. Et le premier prix décerné à une patrouille de guide, Marie, est attribué à... Qui doit commencer à avoir l'habitude, c'est le Harfan PL de Bourges. Le Harfan PL de Bourges, donc il va pouvoir commencer à... Marie, sur les six premiers, est-ce que ça a été compliqué de départager, de choisir ? C'est toujours difficile, le choix d'un jury. Je crois que ça n'a pas été très compliqué, mais ça se jouait à pas grand-chose. À pas grand-chose. Donc, tout le monde est bien évidemment méritant. Alors, on va passer à la branche verte. Ça veut dire à la fois les troupes et les compagnies. Le troisième prix, Marie, de la branche verte est remis à quelle unité ? Alors, il y a deux troisièmes prix ex aequo. Donc, il y a la compagnie sixième Rocancourt. Et la troupe, première ligne. Donc, on est à la parité, c'est formidable. Une troupe, une compagnie. Tellement serré, Marie, que là, vous n'avez pas pu faire de choix. Voilà. Allez, on passe au deuxième prix dans la catégorie branche verte. Alors, le deuxième prix, c'est celle qui venait du plus loin d'ici. C'est la compagnie 8e Marseille. Ah, un petit peu de Marseille. Et Marie, la première place dans la catégorie branche verte est attribuée à... Ça va devenir aussi des habitués, c'est la compagnie de la deuxième Is-sur-Tille. La compagnie deuxième Is-sur-Tille. Elles savent déjà ce que c'est qu'un caronne, mais... Alors, elles vont faire aussi des quatuors de caronne. D'autre côté, compte. On va passer à la branche rouge. Marie, bravo à toutes les trois et bravo bien évidemment aux cinq concurrents qui ont participé ce soir et à toutes celles qui ont envoyé des vidéos. On rentre dans les unités branche rouge cette fois-ci. Alors, c'est troisième prix. Troisième, le feu Sainte-Jeanne Beretta-Mola de la Manche et du Calvados, de l'Orne aussi, il n'y a pas de par là. Bah, voilà, au sens large. Toujours présent sur nos chemins.
Le deuxième prix de la branche rouge, à qui est-il attribué, Marie ? Il est attribué au clan bienheureux Marcel Callot du district de la Brie. Et il faut un premier dans chaque catégorie, Marie, et à qui est remis. Le premier, c'est le feu du cœur immaculé de Marie du Maine-et-Loire. Bravo le Maine-et-Loire, que je porte dans mon cœur. Parce qu'il faut changer de flûte selon la tonalité du chant. Mais c'est léger, ça peut s'emmener en route. Super, merci beaucoup Marie. Alors, il y a des prix spéciaux qui sont remis. Est-ce qu'il y a eu des prix spéciaux remis ? La mise ils en scène, la composition peut-être. Pardon ? À les chorales. Ils sont à la fin, il y a les chorales. Il y a les chorales, mais moi, pardon. Je me retire parce que je suis chef de chœur. Donc. Alors, c'est Jean-Luc Dassas qui va nous rejoindre, celui qui a amené les cadeaux. Les cadeaux et les prix, surtout. Au-delà des cadeaux, c'est aussi des prix. Jean-Luc Dassas, Marie étant partie prenante, ouais. C'est à toi de donner les vainqueurs. Le troisième dans la catégorie chorale, c'est... Le Chœur des Flandres. Le Chœur des Flandres. Bravo, Chœur des Flandres. On les réécoute un peu. Vivre l'aventure avec passion. Vivre l'aventure avec émotion. Avec émotion. Partager. Partager. Profiter. Profiter. De ce qu'il faut pour aimer. Alors, Jean-Luc, deuxième prix pour les chorales, c'est... Ça va faire plaisir à Patrick, là. Ah, chorale d'Anjou. La chorale d'Anjou, bien évidemment. Vous pouvez peut-être autrement. Premier prix, Jean-Luc, est attribué à... La cigale et le grillon. C'est la troisième année ? Non, c'est la première année. Ah, c'est la première. La cigale et le grillon. Sur une harmonisation tout à fait originale, hein, Jean-Luc. Oui, de Pascal Hochmiller. De Pascal Hochmiller, lui-même ancien chanteur grillon. Merci beaucoup. Marie va nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des prix spéciaux ? Je vous posais la question oui, tout à l'heure. Oui, oui. Prix de la mise en scène, c'est toi, Jean-Luc ? Oui, oui, oui. Alors, Marie, Jean-Luc, prix spécial, mise en scène. À qui avez-vous décidé de le remettre ? La deuxième compagnie, Is sur Til. Is sur Til. Alors, si tu parles dans le micro, ça marche beaucoup mieux aussi. Oui, oui. Un diplôme, un cadeau ? Non. Un prix ? Un diplôme. Un diplôme. Prix spécial de la mise en scène. Prix spécial composition, à qui est-il remis, Jean-Luc ? Alors, en fait, on a divisé en deux cette partie. Ouais. Il y a à la fois la composition musicale qu'on a octroyée au chœur Scout des Flandres et à la fois la composition de patrouille voilà, ouais. Qu'on va donner à Nantes. À Nantes. Au Chamois. Au Chamois de Nantes, un prix spécial de composition. Et à la chorale du Chœur des Flandres. C'est ça. Merci beaucoup. Et enfin, alors, est-ce que la technique... On les écoute d'ailleurs. Avec passion. Vivre l'aventure avec émotion. Avec émotion. Partager. Partager. Profiter. Profiter. De ce qu'il faut pour aimer. Et enfin, le Grand Prix du public. Alors, est-ce que nous l'avons, le Grand Prix du public ? Je me retourne vers la régie. Est-ce qu'on est en capacité de donner ? C'est bon ? On leur donne la réplique. Alors, le Grand Prix du public est attribué au cœur de l'Anjou. On les applaudit très fort. Bravo à vous, on les réécoute un peu. Voilà, et le cœur de l'Anjou recevra comme lot, en tant que prix du public, cette harmonica. Alors, soit ça va donner des vocations d'harmoniciste,
soit, il va falloir que vous appreniez. Voilà. Merci beaucoup, Marie. On va peut-être échanger. Il y a deux, trois choses, moi, qui me questionnent. Tout d'abord, c'était le troisième concours national de chant school. Ça a lieu tous les deux ans. Tous les deux ans, oui. Et donc, on se retrouve dans deux ans maintenant, 2023, le prochain concours. Il y a une surprise. Parce que comme on était trop malheureux de ne pas se retrouver, les responsables du mouvement ont décidé que le quatrième concours de chant scout aurait lieu l'année prochaine, en 2022, le 26 mars, très exactement. Donc vous pouvez noter la date. Et puis tous les concurrents, vous pouvez venir à Château-Landon, il y a 800 places, on sera très contents. Et les familles, les parents, vous regarderez en live parce que l'équipe vidéo trouve ça trop bien et recommencera. Et voilà. Les inscriptions, vous verrez venir les choses, c'est à partir de la rentrée. Donc ceux qui sont seconds, là maintenant, pourront se dire, ils seront peut-être CP, donc ils peuvent déjà en parler, enfin y penser. Voilà, c'est une joie pour tout le monde. Alors, on l'a annoncé plusieurs fois, Jean-Luc, si tu veux bien me rejoindre, on l'a annoncé plusieurs fois pendant le concours, une chaîne Audary, une chaîne YouTube consacrée au chant scout, mais au chant scout enregistré par les guides des scouts d'Europe. Hein. Ce n'est pas simplement des chants scouts qu'on est allé chercher à gauche à droite dans les discographies existantes. Alors, oui, on va commencer par prendre nos chants à nous, bien sûr, hein, parce que ça fait depuis 1976 que les guides des scouts d'Europe ont commencé à enregistrer des chants scouts. Donc, on a un patrimoine et un répertoire extraordinaire avec plein de compositeurs. Et là encore, on a découvert de nouvelles partitions, donc ça va faire partie, je dirais, de notre patrimoine à venir. Et maintenant, est-ce qu'il n'y aura que des scouts d'Europe ? Est-ce qu'il n'y aura que des chorales de chants scouts d'Europe ? Je ne sais pas dit. Si d'autres trouvent notre chaîne extraordinaire et veulent s'y inscrire également, ben pourquoi pas ? Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que c'est fait entièrement par des scouts d'Europe. Voilà. Aussi bien la réalisation que le chant, que les photos qui vont agrémenter, on reste dans notre univers de jeu, avec nos gens qui sont extraordinaires, qui sont très compétents, très talentueux, et on en fait profiter tout le monde. Voilà. Ce qui veut dire que c'est collaboratif, c'est-à-dire que si on a des vieilles archives, et je pense peut-être qu'il y a des gens qui sont assez collectionneurs, si on a des vieilles archives de disques, de fichiers audio, de chants scouts enregistrés chez les scouts d'Europe ou ailleurs, on peut les faire parvenir ? Bah, en tout cas, il y a une équipe qui travaille dessus, vous nous les envoyez et on regarde, on écoute et on dit mais c'est génial, allez, on le met dans notre chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Alors on rappelle le lancement, vous pouvez déjà vous inscrire, mais le lancement de la chaîne, ce sera le jour de la fête de la musique, le 21 juin prochain. On arrive, tu avais d'autres choses à dire ? Juste dire que le 21 juin, il y a déjà 100 chants qui seront proposés sur la chaîne. D'accord, voilà. Donc ça commence direct, on commence avec 100 chants. On y va. Voilà, on y va. Il faut montrer que ça fonctionne et que ça marche. Et après, c'est deux tous les mois. Quoi. De tous les mois, voilà. le temps de produire. Merci beaucoup, Merci Jean-Luc. Beaucoup. Et que les unités y aillent. Hein. Elles nous produisent des choses, elles nous les envoient. On n'a plus besoin d'attendre un CD. Vous nous envoyez vos chants, vous les enregistrez. S'ils sont beaux, s'ils sont merveilleux, on y va. Merci beaucoup, voilà. Jean-Luc. Merci. C'est le temps presque de se dire au revoir, d'arriver tout doucement vers le temps de la prière pour préparer nos cœurs à la nuit qui est déjà bien présente. Mais avant tout, merci à tous, à chacun d'avoir été présents derrière vos écrans. C'est toujours un peu dur de dire qu'on fait quelque chose à travers des écrans. On préférait bien évidemment être ici tous ensemble à Château-Landon, mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on passe par les écrans, c'est cette pandémie. Merci à chacun d'avoir été là. Il y a des temps de remerciements aussi et on voudrait remercier tous celles et tous ceux qui se sont engagés. Je vous propose de regarder cette petite vidéo pour vous, Jean-Luc, Marie et tous ceux qui ont préparé ce troisième concours national de chant. Et c'est réalisé sans trucage, c'est écrit sur la vidéo. Pour la victoire assurée, chantons ensemble, et nous le verrons, pour le victoire, pour la gloire, pour la gloire.
Marie. Jean-Luc, merci aux équipes. Merci à celles et ceux, je n'en sais rien. Je crois qu'il y a des gens, des fées, qui se sont dit qu'il fallait remercier ceux et celles qui travaillaient d'arrache-pied, qui ont été obligés de changer leurs idées en cours de route à cause de cette pandémie. La caméra vient. Je voudrais juste qu'on éclaire un peu de lumière là pour voir aussi tous les techniciens et les ETN techniques qui sont là. On montre rarement les coulisses, mais c'est toujours sympa de montrer ceux et celles qui travaillent dans l'ombre. Merci à vous tous. Sans vous, rien n'aurait été possible ce soir. Merci à ceux et celles qui nous ont suivis. Il est temps maintenant de baisser un peu les lumières, ici, au Forum, à Château-Landon, peut-être chez vous, d'allumer une bougie, de vous mettre autour d'une icône. Et ensemble, nous allons prier, nous allons préparer notre cœur à cette nuit pour rendre grâce pour tous les moments que nous avons passés ensemble et que nous passerons encore, j'espère, de nombreuses fois ensemble. Nous allons nous approcher du feu et prier. Seigneur, rassemble paix des tentes. Quelques instants de silence pour remettre cette journée au Seigneur. Merci de ce jour d'existence. Merci de ta sainte présence comme un frère, ô Jésus. Pardon pour mes paroles impures. Pardon de mes manques de charité, ô Jésus. Pardon pour mes doutes et mes manques de fidélité à toi, ô Jésus. Merci pour les beaux chants du jour. Merci des bons conseils reçus. Merci de l'amour qui nous groupe comme des frères, ô Jésus.
reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appellerai plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appellerai mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous demeurerez dans mon amour. L'amour que Jésus a pour nous est toujours à la fois une initiative et un appel. Une initiative, car Jésus n'attend pas pour nous aimer, que nous puissions être fiers de nous. Un appel, puisque son amour prend tout l'homme et tout dans l'homme. L'intelligence, l'affectivité, le goût d'agir et la soif de beauté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Visite au Seigneur, nous t'en prions, cette demeure et repousse loin d'elle toutes les embûches de l'ennemi. Que tes anges y habitent pour nous garder en paix et que ta bénédiction soit toujours sur nous. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant nous accorde une nuit paisible et une fin parfaite. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le soir étant sur la terre, son grand manteau de velours, et le camp calme et solitaire se recueille en ton amour. Ô Vierge de lumière, étoile de nos cœurs,
la frêle toile vont dormir en t'invoquant. Ô Vierge de lumière, étoile de nos cœurs, entends notre prière, Notre-Dame des éclairs. Ô toi plus blanche que neige, dans ton manteau virginal, ta beauté vierge nous protège contre la laideur du mal. Ô Vierge de lumière, étoile de nos cœurs, entends notre prière, Notre-Dame des éclairs. Fais-nous joyeuse et pleine d'abandon, comme un scout après les vacances, sans retour à la maison. Ô Vierge de lumière, étoile de nos cœurs, entends notre Merci à toutes et à tous. Bonne nuit. Rendez-vous le 26 mars 2002. Bonne soirée. Bonne nuit.